Je suis appris au commencement parce que je suis parti par temps de mon lauréat. Et je veux remercier mon Allah premièrement, mon parent, mon monsieur, mon frère. Et je veux remercier mon professeur, le recteur de l'école, et mon manager, et aussi mon oncle, Sadek Pelin, qui vient guider moi et conseiller moi. Un grand merci à lui. Et je remercie aussi mon professeur de primaire, puisqu'il me tient là depuis le primaire. Là, j'ai besoin de regarder mon option, puisque je n'ai pas attendu mon premier lauréat. Mais peut-être dans les prochains jours, je vais finir de pas le faire. Peut-être que je vais faire le finance ou le computing. Comme ça. Peut-être que je vais devenir un professeur, mais c'est un l'idée le prochain sans eux. Parce que j'ai été, mes enfants ont toujours un peu plus, agressif plutôt. En tant que camarade, nous avons un groupe assez proche et nous soutenons tout qui est là-dedans. Nous apprenons ensemble et je suis bien content de me camarader avec eux. Ils ont bien aidé moi. J'espère qu'à l'avenir, pendant encore plus de rates, pendant plus de résultats, puisque l'école, je n'ai pas atteint une lauréate depuis longtemps, une lauréate. Mais enfin, mon premier lauréat, j'espère qu'il ne soit pas le dernier. Je peux espérer que mon camarade qui peut sortir une lauréate, parce qu'il a une choisie côté classique. Classique est un peu plus, il a plus de chance qu'il me dit par le côté science side ou eco side. Mon papa a une bien facilité moi. Moi, les sons, je suis sorti depuis l'école, je suis allé. Et donc, je me transport avec un prof de l'école, soit moi dans une van de l'école. Ben là, quand je retournais, ben, puisque à soir, quand moi, pas un bus, tout ça, ben là, moi, pas venu prendre moi, me dire, quand on arrive presque côté à l'aéroport, tout ça. Ben, parce qu'ils m'ont trouvé qu'ils adorent, moi, tu peux gagner une éducation bien, une bonne éducation et l'environnement est bien sain, tu me sens plus sécurisé ici, qui comme tellement nous a fait que tu peux passer à l'extérieur. Moi, pas dire ici, peine en lit, mais dis-moi. Doha est reconnu pour son discipline et la façon dont on travaille, même en dehors de l'école. On fait beaucoup, c'est notre devise, notre moteur, c'est la discipline à tous les niveaux. Dans l'avenir, laisse-moi vous dire, on aura beaucoup de surprises pour les collèges Doha. Dans le bon sens, hein, il y a l'élève qui a eu lauréate, c'est un élève qui a eu Queen Elizabeth School. Mais elle préfère de rester ici au collège pour faire ses études formines jusqu'à la HSI. C'est un hard working. Depuis formine, je suis parmi the best of the students. Je suis Fatima Tegali Kedaron et je suis responsable du côté des filles à Doha. Je suis deputy director. Et voilà, aujourd'hui, bon, je suis un petit peu à court de mots parce que je suis comblée. Je suis tellement contente de la réussite de Zahra. Et voilà, Zahra, mine de rien, élève appliquée, c'est prouvé aujourd'hui. Je m'attendais à avoir d'autres lauréates, mais j'espère que ces filles que j'attendais à être lauréates seront classées. Nous ne savons pas encore la liste jusqu'à l'heure. Si vous ajoutez primaire et secondaire, elle est ici depuis la stand de douane. Elle a fait toutes ses classes primaires et secondaires chez nous, à Doha, Doha Primary and Doha Secondary. Mine de rien, elle a fait son bout de chemin. Élève très, très appliquée, très régulière à l'école. Il y a des années zéro absence. Voilà. Et un travail régulier. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de secret. Et bien sûr, elle a son intelligence naturellement, mais je crois à un travail régulier. Parce qu'on peut être brillante, mais si on délaisse, quelqu'une qui est moins performante peut mieux faire. Je suis très contente de faire une match patane, du tout. Même hier, nous avons dit, moi, ce qui gagnait, que le résultat gagnait, nous avons accepté. Nous dit aussi, bah, je vais attendre, mais aujourd'hui, quand les gars sont chez nous, les gens sont contents. Tous, on n'est pas stressé, on apprend quand nous voulons apprendre. Et aussi, communication entre parents aussi, ça nous a bien aidé. Mes parents m'ont bien supporté, aussi mon oncle aussi nous a supporté dans nos éducations. Et c'est ma professeur bien aidé, mais aussi les reconnaissants envers ma professeur. À l'école, tout mon professeur, bien aidé, bien tout ce mon travail, nos devoirs, etc. Tout. Nous pouvons nous remercier mon professeur à l'école et puis c'est mon professeur de leçons aussi. Moi, manager, tu dois être discipliné aussi, c'est un bon soldat dans la vie. Sans discipline, nous ne pouvons pas réussir dans la vie.
Nous, professeurs, nous faisons tous les élèves, hein, sincèrement les élèves, qui nous inquiètent comment nous faire réussir dans notre vie. Moi, comme ce parent, tout le temps, nous l'encourager. Bon, déjà, il y a une fille intelligente, bon, nous l'encourager. Et surtout, parce que mon sœur et frère, et à travers, comme on dit, mon professeur de Doha, et le recteur de Doha, et surtout ce Kalou, le manager de Doha, M. Sadiq Ali Paulin. Et c'est lui encore, il encourage le plus pour aller vers ça, pour aller, comment dire, pour mettre plus l'importance dans son éducation. Dernière fille, bon, vraiment, il y a un petit peu à part, comment dire. Comment il est la maison? Non, la maison, lui, c'est tranquille, mais simplement, il est content, bon, tout le temps, motivé, un petit peu en colère, un petit peu trop passer le temps avec lui. Là, qui m'a bâti seul, je suis tout le temps en colère, mais finalement, bon. Aujourd'hui, bon, on veut dire, bon, je suis un peu émotionné parce que je ne suis pas spartan, mais finalement, bon, c'est par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il y a un lauréat. Et c'est la première lauréate dans Doha. Bon, pour moi, il y a une grande fierté parce que depuis la première, on a eu mes bons enfants, on a trois filles et un garçon, j'ai une ville là. Mais aujourd'hui, je veux dire, par la grâce de Dieu, bon, bien, bon, on va expliquer ça contentement là dans moi-même. Et je suis pour l'école de Doha à travers l'île. Ce qui m'a ressenti un peu. Bon, comment vous pourriez dire, même ça fait inexplicable ça. Pas qu'à expliquer. C'est le motif qui vous décide, qui vous fait. Parce que moi, je pourrais dire, pour une bonne guideline, parce que bon, en général, c'est bon. Il y a ce qu'on voulait, ce calou. C'est lui en général qui vous donne un petit tip, vers qui est direction pour aller, pour moi.